connaissons l'homme ou sa compère. Tous, docteur Barthélemy. Jean les case après lui, et nous tiendrons très bien, tous les trois, à l'arrière de la voiture. La carrosserie est si spacieuse, et les strapontins si confortables. Ah, ce n'est pas la mécanique qu'aujourd'hui, de maintenant, est critiquée. Je vous recommande cette caisse, j'y ai logé quelques appareils qui sont fragiles. Voilà une torpedo que je regretterais longtemps si nous faisions la sottise de l'avant. Oui, car en somme, c'est une torpedo avec tous les avantages de l'ancien double phaéton. Oui, oui. Voyez comme vos valises se cassent facilement. Jean ne sera pas gêné du tout. Il est même dommage qu'il n'y en ait pas plus. Vous vous seriez mieux rendu compte des commodités de ma voiture. Saint-Maurice, c'est loin ? 11 kilomètres. Notez que cette distance du chemin de fer est excellente pour la fidélité de la clientèle. Les malades ne vous jouent pas le tour d'aller consulter au chef-lieu. Il n'y a donc pas de diligence ? Une guimbarde, si l'avantage. Quelle dans la vie de faire un chemin à pied ? Ici, l'on ne peut guère se passer d'automobile. Surtout dans la profession. Je mets en marche. Oui, vous pouvez commencer à mettre en marche, mon ami. Avez-vous pensé à essuyer les bougies ? C'était prudent après une étape de 11 km. Et pensez aussi à envelopper le carburateur. Ah, vieux foulard, frayeux ce chiffon, là. Parfait, parfait. Mon cher successeur, parce que vous êtes d'ores et déjà mon successeur, vous avez fait une bonne affaire. Dès cet instant, ma clientèle est à vous. Si même, le long de cette route, quelques patients, reconnaissant au passage malgré la vitesse, sollicitent l'assistance de mon art, je m'efforcerai. Et je lui dirai, vous vous trompez, monsieur. Voici le médecin du pays. Et je ne vous en prie, si vous m'invitez formellement à une consultation contradictoire. Et vous avez eu de la même. Vous avez eu de la chance de tomber sur un homme qui vous a souffert un coup de tête. Mon mari s'est fichu. Il commençait à faire dans une grande ville au lieu d'achever tranquillement de faire fortune ici. Ne vous moquez pas de moi, mon cher confrère. C'est grâce à cette torcade que vous avez parti en tête pour une bouchée de pain. Vous trouvez ? En tout cas, je n'ai guère marchandé. Certes, mais cette rondeur m'a plu. J'ai bien aimé aussi votre façon de ne traiter que par correspondance et de venir sur place uniquement avec le marché en poche. Cela m'a semblé, je malheureuse, je dirais, américain. Et je puis bien vous féliciter de cette aubaine, car ça n'est une. Une clientèle égale, sans acquis. Pas de concurrent. Un pharmacien qui ne sort jamais de son rôle. Aucune occasion de dépense. Et pas une seule distraction coûteuse. Et dans 6 mois, vous aurez économisé le double de ce que vous devez à mon mari. Et je vous accorde 4 échéances trimestrielles. Sans les rhumatismes de ma femme, je pense bien que j'aurais fini par vous dire non. Madame Barbalet est rhumatisante. Hélas, le climat, quoique très salubre en général, ne lui valait rien en particulier. Et y a-t-il beaucoup de rhumatisants dans le pays ? Dites, mon cher confrère, qu'il n'y a que des rhumatisants. Voilà qui me semble d'un grand intérêt. Oui, qui voudrait étudier les rhumatismes. Moi, je pensais à la clientèle. Ah, pour ça, non. Les gens n'auraient pas l'idée d'aller chez le médecin pour un rhumatisme, pas plus que vous n'iriez chez le curé pour faire pleuvoir. Mais c'est fâcheux. Monsieur, monsieur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut que je démontre toutes mes défenses. J'allais justement vous inviter à venir vous asseoir quelques instants sur un banc, le temps que mon chauffeur purge un peu le tuyau d'essence. Mais s'il n'y a rien à faire du côté des rhumatismes, on doit se rattraper avec les pneumonies et le résine. Elles sont rares. Le climat est rude par ici, comme vous savez. Tous les nouveaux déchétifs meurent dans les 6 premiers mois. Sans que la médecine ait à intervenir, bien entendu. Les survivants sont des gaillards durs à cuire. Toutefois, nous avons aussi des apoplectiques et des cardiaques. Ils ne s'en doutent pas une seconde et meurent foudroyés vers la cinquantaine. Ce n'est pas en soignant les morts subites que vous avez pu faire fortune. Évidemment, il nous reste la grippe.
pas la grippe banale dont ils ne se soucient nullement et qu'ils accueillent même avec faveur parce qu'ils prétendent qu'elle fait sortir les humeurs viciées. Non, je pense aux grandes épidémies mondiales de grippe. Ça dit donc, c'est comme le vin de la comète. S'il faut que j'attende la prochaine épidémie mondiale, pour qui vous parle, j'en ai connu deux. Celle de 89-90 et celle de 1918. En 1918, nous avons eu ici une très grosse mortalité, plus relativement que dans les grandes villes. N'est-ce pas? Tu avais comparé les chiffres. Avec nos pourcentages, nous laissons derrière nous 83 départements. Ils s'étaient fait soigner? Oui, surtout sur la fin. Et nous avons eu de très belles rentrées à la Saint-Michel. Plaît-il? Ici, les clients vont payer à la Saint-Michel. Mais quel est le sens de cette expression? Est-ce un équivalent des calendes grecques ou de la Saint-Glinglaise? Vous allez vous chercher là, mon cher confrère, la Saint-Michel. Et une des dates les plus connues du calendrier. Elle correspond à la fin septembre. Et nous sommes début d'octobre. Ouais, au moins vous avez su choisir votre moment pour vendre. Enfin, voyons si quelqu'un vient vous trouver pour une simple consultation, il vous paye bien séance de notes. Non, à la Saint-Michel, c'est l'usage. Non, mais s'il ne vient que pour une consultation seule et unique, si vous ne le revoyez plus de toute l'année. À la Saint-Michel. D'ailleurs, les gens viennent presque toujours pour une seule consultation. Hein? Mais oui. Mais alors, qu'est-ce que vous faites des clients réguliers? Quels clients réguliers? Eh bien, ceux qu'on visite plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois. Tu entends ce que dit le docteur? Des clients, comme on a le boulanger ou le boucher. Le docteur est comme tous les débutants. Il se fait des illusions. Croyez-moi, mon cher confrère, vous avez ici le meilleur type de clientèle. Celle qui vous laisse indépendant. Indépendant? Vous en avez bonne. Et je m'explique. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas à la merci de malades susceptibles de guérir du jour au lendemain et dont la perte ferait chavirer votre budget. Non, dépendant de tous, vous ne dépendez de personne. Voilà. En d'autres termes, j'aurais dû apporter une provision d'asticots et une canne à pêche. Oh, mais peut-être trouve-t-on ça là-haut. La situation commence à devenir limpide. Mon cher confrère, vous m'avez vendu pour quelques billets de mille une clientèle de tout bois assimilable à cette voiture, dont on peut dire qu'à 19 francs, elle ne serait pas chère, mais qu'à 25, elle est au-dessus de son prix. Tenez, comme j'aime à faire les choses largement, je vous en donne 30. 30 francs? Ne m'attendez donc. Mais je ne lâcherai pas pour 6 000. Je m'y attendais, je ne pourrais donc pas acheter cette voiture. Bah, si au moins vous me faisiez une offre sérieuse. C'est dommage, je pensais la transformer en bahut-retrempe. Oh! Quant à votre clientèle, j'y renoncerai avec la même absence d'amertume s'il en était temps encore. Laissez-moi vous dire, mon cher confrère, que vous êtes victime d'une fausse impression. Moi, je croirais volontiers que c'est plutôt vous que je suis victime. Enfin, je n'ai pas coutume de jeûne. Et quand je suis roulé, je ne m'en prends qu'à moi. Roulé? Proteste, mon ami, proteste! Mais je vous laisse tout détromper, le docteur Knock. Pour vos échéances. Elles ont le tort d'être trimestrielles dans un climat où le client est annuel. Il faudra corriger ça, hein? Il faudra corriger ça. De toute façon, ne vous tourmentez pas dans mon propos. Je déteste avoir des dettes. Comment? Vous ne voulez pas nous payer aux dates convenues? Je brûle de vous payer, madame, mais je n'ai aucune autorité sur l'almanach. Et il est au-dessus de mes forces de faire changer de place la Saint-Glinglin. La Saint-Michel. La Saint-Michel. Mais vous avez bien des réserves. Aucune. Je vis de mon travail, ou plutôt j'ai hâte d'en vivre. Et je déplore d'autant plus le caractère mythique de la clientèle que vous me vendez, que je comptais lui appliquer des méthodes entièrement neuves. Il est vrai que le problème ne fait que changer d'aspect. En ce cas, mon cher confrère, vous seriez doublement coupable de vous laisser aller à un découragement prématuré. Qui n'est que la rançon de votre inexpérience. Certes, la médecine est un riche terroir, mais les boissons n'y lèvent pas toutes seules. Et vos rêves de jeunesse vous ont un peu leurré. Votre propos, mon cher confrère, fourmille d'inexactitude.
D'abord, j'ai 40 ans, mes rêves, si j'en ai, ne sont pas des rêves de jeunesse. Soit, mais vous n'avez jamais exercé. Autre erreur. Mais ne m'avez-vous pas dit que vous veniez de poser, passer votre thèse l'été dernier? Oui, 32 pages, inoctavo, sur les prétendus états de santé. Avec cet épigraphe que j'ai attribué à Claude Bernard, les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Nous sommes bien d'accord, mon cher confrère. Sur le fond de la théorie? Non, sur le fait que vous êtes un débutant. Pardon, pardon. Mes études sont en effet toutes récentes, mais mon début dans la pratique de la médecine date de 20 ans. Mais comment? Vous étiez officier de santé depuis le temps qu'il n'y en a plus. Non, j'étais bachelier. Il n'y a jamais eu de bachelier de santé. Bachelier S-lettre, madame. Mais alors, vous avez exercé sans titre et clandestinement. À la face du monde, au contraire. Et non point dans un trou de province, mais sur un espace d'environ 7000 km. Je ne vous comprends pas. C'est pourtant ça. Il y a une vingtaine d'années, ayant dû renoncer à l'étude des langues romanes, j'étais vendeur aux Dames de France de Marseille, rayon des cravates. Je ferme mon emploi. En me promenant sur le port, je vois annoncer qu'un vapeur de 1700 tonnes à destination des Indes demande un médecin. Le grade de docteur n'étant pas exigé, qu'auriez-vous fait à ma place? Oh, rien sans doute. Oui, vous n'aviez pas la vocation. Moi, je me suis présenté. Comme j'ai horreur des situations fausses, j'ai déclaré en entrant, messieurs, je pourrais vous dire que je suis docteur, mais je ne suis pas docteur. Et je vous avouerai même quelque chose de plus grave. Je ne sais pas encore quel sera le sujet de ma thèse. Disent qu'ils ne tiennent pas au titre de docteur et qu'ils se fichent complètement de mon sujet de thèse. Je réplique aussitôt. Bien que n'étant pas docteur, je désire, pour des questions de prestige et de discipline, qu'on m'appelle docteur Abbott. Ils me disent que c'est tout naturel, si bien qu'il nous a fallu à peine 3 minutes pour régler la question des honoraires. Mais vous n'aviez réellement aucune connaissance. Entendons-nous. Depuis mon enfance, j'ai toujours lu, avec passion, les annonces médicales des pharmaceutiques des journaux, ainsi que les prospectus, intitulés « Mode d'emploi », je trouvais enroulé autour des boîtes de pilules et des flacons de sirop qu'achetaient mes parents. Dès l'âge de 9 ans, je savais par cœur des tirades entières sur l'exonération imparfaite du constipé. Et aujourd'hui encore, je puis vous citer une lettre admirable, écrite en 1897 par la veuve Fée de Bourges à la tisane américaine des Checkers. Voulez-vous que... Non, merci, je vous crois. Ces textes m'ont rendu familier de bonne heure avec le style de la profession. Mais surtout, ils m'ont laissé transparaître le véritable esprit et la véritable destination de la médecine que l'enseignement des facultés dissimule sous le fatras scientifique. Je puis dire qu'à 12 ans, j'avais déjà un sentiment médical correct. Ma méthode actuelle en est sortie. Ah, vous avez une méthode, et je serais curieux de la connaître. Je ne fais pas de propagande. D'ailleurs, il n'y a que les résultats qui comptent. Aujourd'hui, de votre propre aveu, vous me livrez une clientèle nulle. Pardon. Ah, venez voir dans un an ce que j'en aurai fait. La preuve sera péremptoire en m'obligeant à partir de zéro. Vous accroissez l'intérêt de l'expérience. Monsieur, je crois que je ferais bien aussi de démonter le carburateur. Puisque notre conversation se prolonge, j'ai demandé à ce garçon de procéder à son nettoyage mensuel de carburateur. Mais quand vous avez été sur votre bateau, comment vous en êtes-vous tiré? Les deux dernières nuits avant de m'embarquer, je les ai passées à réfléchir. Mes 6 mois de pratique à bord m'ont permis de vérifier mes conceptions. Vous aviez beaucoup de gens à soigner? L'équipage et 7 passagers de condition très modeste. 35 personnes en tout. C'est un chiffre. Et vous avez eu des morts? Aucune. C'était d'ailleurs contraire à mes principes. Je suis partisan de la diminution de la mortalité. Et comme vous tous. Vous aussi. Allez, je dors un peu. Enfin bref, j'estime que malgré toutes les tentations contraires, nous devons travailler à la conservation du malade. Et il y a du vrai dans ce que dit le docteur. Et des malades. Vous en avez eu beaucoup. 35. Tout le monde alors? Oui, tout le monde. Mais comment le bateau a-t-il pu marcher? Un petit roulement a établi.
Dites donc, maintenant, vous êtes bien réellement docteur, parce qu'ici le titre est exigé. Et vous nous causeriez beaucoup d'ennuis. Si vous n'êtes pas réellement docteur, il vaudrait mieux nous le confier tout de suite. Je suis bien réellement, et bien doctoralement docteur. Dès que j'ai vu mes principes, mes méthodes confirmées par l'expérience, je n'ai eu qu'une hâte. C'est de les appliquer sur la terre ferme et en droit. Je n'ignorais pas que le doctorat est une formalité indispensable. Mais vous nous disiez que vos études étaient toutes récentes. Je n'ai pas pu les commencer dès ce moment-là. Pour vivre, il m'a fallu m'occuper quelque temps du commerce des arachides. Et qu'est-ce que c'est ? L'arachide. L'arachide s'appelle aussi cacahuète. Oh, madame, je n'ai jamais été marchand-panier. Non, j'avais créé un office central où les revendeurs venaient s'approvisionner. Je serais millionnaire si j'avais continué cela 10 ans. Mais c'était très facile. D'ailleurs, presque tous les métiers sécrètent l'ennui à la longue, comme je m'en suis rendu compte par moi-même. Il n'y a de vrai, décidément, que la médecine. Peut-être aussi la politique, la finance, et le sacerdoce, que je n'ai pas encore ici. Et vous pensez appliquer vos méthodes ici? Si je ne le pensais pas, madame, je prendrais mes jambes à mon cou. Et vous ne rattraperiez jamais. Évidemment, je préférerais une grande vie. Toi qui vas à Lyon, ne pourrais-tu pas demander au docteur quelques renseignements sur sa méthode? Cela n'engage à rien. Mais le docteur Klopp ne semble pas disposé à la divulguer. Bon, vous êtes agréable. Je puis vous proposer l'arrangement suivant. Au lieu de vous payer Dieu sait quand, en espèces, je vous paye en nature. C'est-à-dire que je vous prends 8 jours avec moi et vous initiez à mes procédés. Vous plaisantez, mon cher confrère. C'est peut-être bien vous qui m'écrirez dans 8 jours pour me demander conseil. Je n'attendrai pas jusque-là. Je compte bien obtenir de vous aujourd'hui même plusieurs indications très utiles. Bah, disposez de moi, mon cher confrère. Est-ce qu'il y a un tambour de ville, là, au bout? Vous voulez dire un homme qui joue du tambour et qui fait des annonces au public? Parfaitement, parfaitement. Il y a un tambour de ville. La municipalité le charge de certains avis, ainsi d'ailleurs que différents particuliers. Parfait, parfait. Saint-Maurice a combien d'habitants? 3500 dans l'agglomération et près de 6000 dans la commune. Et l'ensemble du canton? Oh, le double au moins. La population est pauvre? Très à l'aise, au contraire. Même riche. Il y a de grosses fermes. Beaucoup de gens vivent de leur rente ou du revenu de leur domaine. Terriblement avare, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a de l'industrie? Fort peu. Est-ce qu'il y a du commerce? Ce ne sont pas les boutiques qui manquent. Les commerçants, sont-ils très absorbés par leurs affaires? Ah, ma foi, non. Pour la plupart, ce n'est qu'un supplément de revenus. Les femmes sont-elles très pieuses? La question a pour moi son importance. Beaucoup vont à la messe. Non mais Dieu, y a-t-il une place considérable dans leur pensée quotidienne? Quelle idée! Bon. Il n'y a pas de grand vice. Ben, que voulez-vous dire? Opium, cocaïne, messe noire, sodomie, conviction politique. Je n'ai jamais entendu parler d'opium ou de messe noire. Quant à la politique, on s'y intéresse comme partout. Bon. Et l'adultère, hein, l'adultère. A-t-il pris là-haut un développement exceptionnel? Fait-il l'objet d'une activité intense? Vos questions sont extraordinaires. Il faut bien y avoir comme ailleurs quelques maris trompés, mais sans excès. D'abord, c'est très difficile. Les gens vous surveillent. Tellement! Bon. Vous ne voyez rien d'autre à me signaler? Par exemple, dans l'ordre des sectes, des superstitions, des sociétés secrètes? À un moment, plusieurs de ces dames ont fait du spiritisme. Oh. L'on se réunissait chez la notairesse et l'on faisait parler le guéridon. Ah, mauvais, détestable! Mais je crois qu'elles ont cessé! Ah, tant mieux! Et pas de sorcier non plus, pas de thaumaturge, quelques bergers sentant le bouc qui guérit par l'imposition des mains. Autrefois peut-être,
Mais plus maintenant. En somme, l'âge médical peut commencer. Mon cher confrère, serait-il inhumain de demander à ce véhicule un nouvel effort? J'ai une hâte incroyable d'être en sa noce. Et qu'y a-t-il de si puissant qui nous y attire brusquement? Mon cher confrère, j'ai le sentiment que vous avez gâché là-haut une situation magnifique. Et pour parler votre style, j'ai laborieusement poussé des chardons là où les croître un verger plantureux. C'est couvert d'or que vous en deviez repartir. Les fesses calées sur un matelas d'obligation, vous, madame, avec trois rangs de perles au cou, tous deux à l'intérieur d'une étincelante limousine, et non point sur ce monument des premiers efforts du génie moderne. Vous plaisantez, docteur? La plaisanterie serait cruelle, chère madame. Mais alors, c'est affreux, docteur Albert. J'entends que le docteur Knock est un générique, et de plus, un cyclotimique. Il est l'objet d'impressions extrêmes. Tantôt le poste ne valait pas deux sous, et maintenant c'est un pactole. Toi aussi tu es trop sûr de toi. Ne t'ai-je pas souvent dit qu'à Saint-Maurice, en sachant s'y prendre, on pouvait mieux faire que végéter? Bon, je reviendrai dans 3 mois pour la prochaine échéance. Et nous verrons, allez, le docteur. C'est ça, rendez-vous dans 3 mois, nous aurons le temps de peser, mais je vous en prie. J'en supplie, partons tout de suite. Vous êtes prêts? Oh, moi, je serais bien prêt, mais je ne crois pas que cette fois-ci, elle partira tout seule. Et si on essayait de la pousser? Peut-être. Mais oui, il y a 30 mètres de plat. Je vais prendre le volant, vous pousserez. Et vous tâcherez de sauter sur le marchepied le moment venu. N'est-ce pas? Oui. Allez, donc en voiture, mon cher confrère, en voiture. Jean, qui est à l'air-tu? Veut s'amuser à nous mettre en marche sans le secours de la manivelle par un démarrage que j'appellerai automatique, bien que l'énergie électrique y soit remplacée par celle du muscle, qui est de même nature, est-il pas vrai? Quel prix demandez-vous au docteur Parpalais quand il vous chargeait d'une annonce? Ne me charge jamais d'une annonce!
nous dit 30 ans qu'il était là. Pas une seule annonce en 30 ans. Oh, vous devez, vous devez avoir oublié. Je ne puis pas vous croire. Bref, quels sont vos tarifs? Alors, 3 francs le petit tour et 5 francs le grand tour. Bon, ça peut vous paraître cher, mais il y a mieux. D'ailleurs, je conseille à monsieur... Au docteur. Bon, je conseille au docteur, si vous n'avez pas 2 francs près, de prendre le grand tour. On est beaucoup plus avantageux. Quelle différence est-il? Alors, avec le grand tour, je m'arrête 5 fois. Devant la mairie, devant la poste, devant l'hôtel de la clé, au carrefour des voleurs et au coin là. Avec le grand tour, je m'arrête 11 fois. Bon, bon, ça va, je prends le grand tour. Allez. Bon, vous êtes disponible ce matin? Tout de suite, si vous voulez. Alors, voilà le texte de la note. Bon, je suis habitué aux écritures, mais je préfère que vous le lisiez une première fois. Le docteur Knock, successeur du docteur Barbalet, présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice, et à l'honneur de lui faire connaître que, dans un esprit philanthropique, et pour enrayer le progrès inquiétant des maladies de toutes sortes qui envahissent depuis quelques années nos régions si salubres autrefois... Oh, ça c'est rudement vrai. Il donnera, tous les lundis matins, de 9h30 à 11h30, une consultation entièrement gratuite, réservée aux habitants du canton. Pour les personnes étrangères au canton, la consultation restera au tarif ordinaire de 8 francs. Ah, c'est une belle idée. Ah, c'est une idée qui sera appréciée. Oh, une idée bien bêteuse. Mais vous savez que nous sommes lundi. Si je fais mon annonce ce matin, il va vous en arriver dans 5 minutes. Si vite que cela, vous voyez. Vous n'avez peut-être pas pensé que le lundi est jour de marché. La moitié du canton est là. Quand mon ami va tomber dans tout ce monde, vous ne saurez plus où donner de la tête. Je tâcherai de me débrouiller. Il y a encore ceci. C'est que c'est jour de marché que vous aviez le plus de chance d'avoir des clients. Monsieur Barbalet, d'ailleurs, n'en voyait guère que ce jour-là. Et si vous les recevez gratis, alors... Vous comprenez, mon ami, ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent. Si je voulais gagner de l'argent, c'est à Paris que je m'installerai, ou à New York. Et vous avez mis le doigt dessus. Oh, on ne se soigne pas assez. Alors, on ne veut pas s'écouter, et on se force quand on a mal. Autant vaudrait-il être des animaux. Je remarque que vous raisonnez avec une grande justesse, mon ami. Ça, c'est sûr que je raisonne, moi. Oh, j'ai pas l'instruction que je le veux. Mais il y en a de plus instruits qui ne m'en remontreraient pas. Monsieur le maire, pour ne pas le nommer, en sait quelque chose. Si vous rencontrez un jour, monsieur... Docteur... Docteur, qu'un jour, monsieur le préfet, personne, se trouvait à la mairie dans la grande salle des mariages. Et vous pourriez même lui demander attestation du fait à des notabilités présentes. Ah, à monsieur le premier adjoint, on ne peut pas le nommer, ou à monsieur Michalon, et qu'alors... Et qu'alors, monsieur le préfet a vu tout de suite à qui il avait affaire, et que le tambour de ville, c'est un tambour qui résonnait mieux que d'autres qui n'étaient pas tambours et qui se prenaient pour quelque chose de bien plus fort qu'un tambour.
Et qu'est-ce qu'il n'a plus su quoi dire? C'est monsieur le maire. Ah ben ça alors, c'est l'exacte vérité. Ben il n'y a pas un mot à ajouter. Ah, on jurait que vous étiez là, caché dans un petit coin. Je n'y étais pas, mon ami, je n'y étais pas. Alors, c'est quelqu'un qui vous en a parlé. Quelqu'un de bien placé. Oh, vous ne montrez pas de la tête. Que vous en avez causé récemment à monsieur le préfet. Donc, je compte sur vous, mon ami, et rondement, n'est-ce pas? Je ne pourrais pas venir tout à l'heure. Ou alors, j'arriverai trop tard. Est-ce que ce serait un effet de bonté de me donner ma consultation maintenant? Oui, mais dépêchons-nous. Hein. J'ai rendez-vous avec M. Bernard, l'instituteur, et avec M. le pharmacien Mousquet. Je vous y reçois avant que les gens n'arrivent. Prof, de quoi souffrez-vous? Attendez, je réfléchis. Ah, voilà. Quand j'ai dîné, il y a des fois que je sens comme une espèce de démangeaison par ici. Ah, ça me chatouille. Plutôt, ça me chatouille. Attention, ne comprenons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ah ben, ça me gratouille, mais ça me chatouille aussi un peu. Désignez-moi exactement l'endroit. Là. Peut-être là. Entre les deux. Juste entre les deux. Est-ce que ce ne serait pas... est-ce que ce ne serait pas plutôt un rien à gauche, là où je mets mon doigt? Il me semble bien. Ça vous fait mal quand j'en pense mon doigt? Oui, on dirait que ça me fait mal. Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? Ne tombe jamais. Il me semble que si j'en mangeais, effectivement, ça me gratouillerait plus. Ah, très important. Ah, quel âge avez-vous? 51, dans mes 52. Plus près de 52 ou de 51? Plus près des 52, je les aurai fin novembre. Bon, mon ami, faites vos annonces aujourd'hui comme si de rien n'était. Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Demain matin, gardez le lit. Je passe à vous voir. Pour vous, mes visites sont gratuites. Mais ne le dites pas, c'est une faveur. Bah, vous êtes trop bon, docteur, mais... C'est donc grave, ce que j'ai? Ce n'est peut-être pas encore très grave. Il était temps de vous soigner. Vous fumez? Non, je chique. Défense absolue de chiquer. Vous aimez le vin? Bon, j'en bois, mais raisonnablement. Plus une goutte de vin. Vous êtes marié? Oui, docteur. Sagesse totale de ce côté-là, hein? Manger! Aujourd'hui, comme vous travaillez, prenez un peu de potage. Demain, nous en viendrons à des restrictions plus sérieuses. Pour l'instant, tenez-vous-en à ce que je vous ai dit. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux que je me couche tout de suite? Je me sens vraiment pas bien. Gardez-vous-en bien, dans votre cas, il est mauvais d'aller se mettre au lit entre le lever et le coucher du soleil. Faites vos annonces aujourd'hui comme si de rien n'était et attendez tranquillement jusqu'à ce soir. Bonjour, monsieur Bernard. Je ne vous ai pas trop dérangé en vous priant de venir à cette heure-ci? Non, docteur. Mon adjoint surveille arrivera sur une minute. J'étais impatient de m'entretenir avec vous. Nous avons tant de choses à faire ensemble, et de si urgent. Ce n'est pas moi qui laisserai s'interrompre la collaboration si précieuse que vous accordiez à mon prédécesseur. La collaboration?
Remarquez, je ne suis pas homme à imposer mes idées, hein, ni à faire table rase de ce qu'on a édifié avant moi. Au début, c'est vous qui serez mon tour. Je ne vois pas très bien. Ne touchons à rien pour le moment. Nous améliorerons par la suite, s'il y a lieu. Mais... Qu'il s'agisse de la propagande, ou des causeries populaires, ou des, de nos petites réunions à nous, vos procédés seront les miens, vos heures seront les miennes. Je ne vois pas très bien à cause de l'allusion. Je veux dire tout simplement que je désire maintenir intacte la liaison avec vous, même pendant ma période d'installation. Tu vois quelque chose qui m'échappe. Voyons, voyons, vous étiez bien en relation constante avec le docteur Parpalais. Je le rencontrais de temps en autre, à l'estaminet du café de la Clé. Mais il nous a rien tiré un billard. Excuse-moi, tu vois, ces relations-là, je veux parler. Nous n'en avions pas d'autres. Mais comment vous étiez-vous répartis l'enseignement populaire de l'hygiène? L'œuvre de propagande dans les familles, que sais-je, moi, les mille besognes, que le médecin et l'instituteur ne sont pas d'accord. Nous n'étions rien répartis du tout. Quoi, vous aviez préféré agir chacun isolément? Bien plus simple. Nous n'y avons jamais pensé ni l'un ni l'autre. C'est bien la première fois qu'il est question d'une chose pareille à Saint-Maurice. Ah, si je ne l'entendais pas contre vous, je vous assure que je n'en croirais rien. Je suis désolé de vous... Mais ce n'est pas moi qui pouvais prendre une initiative de ce genre. Vous l'admettrez. Même si j'en ai eu l'idée, même si le travail de l'école m'avait laissé plus de loisirs. Évidemment. Vous attendiez un appel. Un appel qui n'est pas venu. Chaque fois que vous m'attendez un service, je me tâche de le rendre. Je le sais, monsieur Bernard. Je le sais. Voilà donc une malheureuse population qui est entièrement abandonnée elle-même au point de vue hygiénique et prophylactique. Dame. Je crois qu'ils boivent de l'eau sans penser aux milliards de bactéries qu'ils avalent à chaque gorgée. Certainement. Savent-ils même ce que c'est qu'un microbe? J'en doute fort. Peut-être qu'ils connaissent le mot. Mais ils doivent s'imaginer que c'est une espèce de mouche. C'est effrayant. Écoutez, cher monsieur Bernard, nous ne pouvons pas, nous deux, réparer en 8 jours des années, disons, d'insouciance, mais il faut faire quelque chose. Je n'y refuse pas. Je crains seulement de ne pas savoir comment vous être utile. Mais monsieur Bernard, quelqu'un qui est bien renseigné sur vous m'a révélé que vous aviez un grave défaut. La modestie. Vous êtes le seul à ignorer que vous possédez d'ici une autorité morale et une influence personnelle peu commune. Je vous demande pardon d'avoir à vous le dire. Rien de sérieux ici ne sera sans vous. Suggérez, docteur. Ah, c'est entendu. Je puis soigner sans vous mes malades, mais la maladie, qu'est-ce qui aidera à la combattre, à la débusquer? Qu'est-ce qui instruira ces pauvres gens-là sur les périls de chaque seconde? Qui assiège leur organisme? Qui leur apprendra qu'on ne doit pas attendre d'être mort pour appeler le médecin? C'est très négligent, ils ne disent qu'on ne vient pas. Bon, alors commençons par le commencement. J'ai ici la matière de plusieurs causeries de vulgarisation, des notes très complètes, de bons clichés et lanternes. Vous arrangez tout cela comme vous savez faire. Tenez, pour débuter. Pour débuter, une petite conférence, tout écrit parfois, et très agréable, sur la fièvre typhoïde, les formes insoupçonnées également, ces véhicules innombrables, eau, vin, lait, coquillages, légumes, salades, poussière, haleine, etc., etc., les semaines et les mois durant lesquels elle court sans se trahir, les accidents mortels qu'elle déchaîne soudain, les complications redoutables qu'elle charrie à sa suite. Le tout agrémenté de jolis murs. Bacille formidablement grossie. Détail d'excréments typiques. Ganglions affectés. Perforation d'intestin. Des bases en noir, en couleur. Des roses, des marrons, des jaunes. Des blancs verdâtres que vous imaginez.
Ce que je veux dire, je suis très impressionnable. Si je me plonge là-dedans, je crains de ne plus dormir. Voilà, justement, je veux dire, voilà l'effet de saisissement que nous devons porter jusqu'aux entrailles de l'auditoire. Vous, monsieur Bernard, vous y habituerez. Qu'il n'en dorme plus. Car leur tort, c'est de dormir dans une sécurité trompeuse. De le réveiller trop tard, le coup de foudre de la maladie. Je n'ai pas une santé si solide. Mes parents ont eu beaucoup de mal à m'élever. Je sais bien que sur vos clichés, tous ces microbes ne sont en reproduction, mais enfin. Alors pour ceux de notre première conférence, Aurélie Céfroy, j'en tiens une autre, dont le titre n'a l'air de rien. Les porteurs de germes. Il y est démontré, vers comme le jour, à l'aide de cas observés, qu'on peut se promener avec une figure ronde, une lambeuse, un excellent appétit, et recéler dans tous les replis de son corps des trillions de bacilles de la dernière virulence capables d'affecter un département. Fort de la théorie et de l'expérience, j'ai le droit de soupçonner le premier venu d'être un porteur de germes. Vous, par exemple, absolument rien de nouveau, que vous n'êtes pas un. Moi, docteur. Je serais curieux de connaître quelqu'un qui, au sortir de cette deuxième petite causerie, se sentirait d'humeur à batifoler. Moi, docteur, vous pensez que je suis porteur de germes? Ah, pas vous spécialement, j'ai pris un exemple. Mais j'entends la voix de monsieur Bousquet. À bientôt, cher monsieur Bernard, et merci de votre adhésion, dont je ne doutais pas. Asseyez-vous, cher monsieur Mousquet. Hier, j'avais eu le temps de jeter un coup d'œil sur l'intérieur de votre pharmacie, mais il n'en faut pas davantage pour constater l'excellence de votre installation, l'ordre méticuleux qui règne et modernise, moindre détail. Docteur, vous êtes trop indulgent. C'est une chose qui me tient au cœur. Pour moi, le médecin qui ne veut pas s'habiller sur un pharmacien de premier ordre est un général qui va à la bataille sans armure. Je suis heureux de voir que vous appréciez l'importance de la profession. Et moi de vous dire qu'une organisation comme la vôtre trouve certainement sa récompense. Et que vous faites bien dans l'année un minimum de 25 000. 25 000 ? Oh ! Si je m'en faisais seulement la moitié. Oh, cher monsieur Bousquet, vous avez en face de vous non point un agent du fisc, mais un ami, et j'ose dire, un collègue. Docteur, je ne vous ferai pas l'injure de me méfier de vous. Je vous ai malheureusement dit la vérité. J'ai toutes les peines du monde à dépasser les limites. Mais savez-vous bien que c'est scandaleux? Dans ma pensée, le chiffre de 25 000 était un minimum. Vous n'êtes pourtant pas concurrent. Non, aucun. Après une 5 lieues à la ronde. Alors quoi, des ennemis? Je ne m'en connais pas. Jadis, vous n'auriez pas une histoire fâcheuse, une distraction? 50 grammes de laudanum en place du ricin, c'est si vite fait. Pas le minime incident, je vous prie de le croire, en 20 années d'exercice. Alors, j'aurais pu n'informer d'autres hypothèses. Mon prédécesseur aurait-il été au-dessous de sa tâche? C'est une affaire de point de vue. Encore une fois, cher monsieur Bousquet, nous sommes strictement entre nous. Le docteur Parpalais est un excellent homme. Nous avions les meilleures relations privées. Mais on ne ferait pas un gros volume avec le recueil de ses ordonnances. Vous l'avez dit. Quand je rapproche tout ce que je sais de lui maintenant, j'en arrive à me demander s'il croyait en la médecine. Dans les débuts, je
je faisais loyalement mon possible. Dès que les gens se plaignaient à moi, et que cela me paraissait un peu grave, je les renvoyais. Bonsoir. Je ne les voyais plus revenir. Ce que vous m'apprenez m'affecte plus que je ne voudrais. Nous avons, cher monsieur Mousquet, deux des plus beaux métiers qu'on connaisse. N'est-ce pas une honte que de les faire peu à peu déchoir du haut degré de prospérité et de puissance où nos devanciers les avaient mis? Le mot de sabotage me vient de l'être. Oui, certes. S'il y a conscience à se laisser glisser, oh, ce n'est pas une question d'argent, mais à se laisser glisser au-dessous du fleur de l'entier ou de l'épicier. Je vous l'assure, docteur, ma femme serait bien empêchée de se payer les chapeaux et les bas de soie que la femme du fleur de l'entier arbore semaine et dimanche. Mais taisez-vous, cher ami, taisez-vous, vous me faites mal. C'est comme si j'entendais dire que la femme d'un président de chambre en est réduite à laver le linge de sa boulangère pour avoir du pain. Madame Mousquet était là, vos paroles lui étaient là. Dans un canton comme celui-ci, nous devrions, vous et moi, ne pas pouvoir suffire à la besogne. C'est juste. Je pose en principe que tous les habitants du canton sont ipso facto nos clients désignés. Tous? C'est beaucoup demandé. Je dis tous. Il est vrai, à un moment ou l'autre de sa vie, chacun peut devenir notre client par occasion. Par occasion, pas du tout. Client régulier, client fidèle. Encore faut-il qu'il tombe malade. Tomber malade? Vieille notion qui ne tient plus dans les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot. Il n'y aurait aucun inconvénient à rayer notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteint, de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide. Naturellement, si vous allez leur dire qu'ils se portent bien, ils ne demandent qu'à vous croire. Seulement vous les trompez. Votre seule excuse, c'est que vous ayez déjà trop de malades à soigner pour en prendre de nouveaux. En tout cas, c'est une très belle théorie. Théorie profondément moderne, monsieur Mousquet. Réfléchissez-y. Et toute proche parente de l'admirable idée de la nation armée qui fait la force de nos États. Vous êtes un penseur, docteur Knopf. Et les matérialistes auront beau dire le contraire, la pensée mène le monde. Écoutez-moi. Je suis peut-être présomptueux. D'amères désillusions me sont peut-être réservées. Mais si dans un an, jour pour jour, vous n'avez pas gagné les 25 000 francs nets qui vous sont dus, si Madame Mousquet n'a pas les robes, les chapeaux et les bas que sa condition exige, je vous autorise à venir me faire une scène ici et je vous tendrai les deux joues pour que vous me déposiez chacun un soufflet. Cher docteur, je serais un ingrat. Je ne vous remercie pas avec effusion et un misérable si je ne vous aidais pas de tout mon pouvoir. Bien. Bien. Comptez sur moi comme je compte sur vous. Six chèvres, une bonne douzaine de cochons,
Oh, sans compter la basse-cour. Diable, vous n'avez pas de domestique? Oh, dame, si. 3 valets, une servante et les journaliers dans la belle saison. Je vous plains, il ne doit guère vous rester de temps pour vous soigner. Oh, non. Et pourtant, vous souffrez. C'est pas le vent. J'ai plutôt de la fatigue. Oui, j'appelais cela de la fatigue. Tirez la langue. Vous ne devez pas avoir beaucoup d'appétit. Non. Vous êtes motivé. Oui. Ah, si. Veuillez vous avancer. Que je fasse une espèce de centrale. Baissez la tête. Respirez. Poussez. Bien. Mettez les mains sur les genoux. Penchez. Vous n'êtes jamais tombé d'une échelle étant petite? Oh non, je m'en souviens en pause. Et jamais. C'est toi le soir en couchant, espèce de combattir. Oui, les fouettes. Essayez de vous rappeler. Ça devait être une grande échelle. Ça se peut bien. C'était une échelle d'environ 3,50 m, posée contre un mur. Vous êtes tombé à la renverse. C'est la fesse gauche, heureusement, qui a porté. Ah, oui. Vous avez déjà consulté le docteur Marfalet? Non, jamais. Quoi? Il ne donnait pas de consultation gratuite. Vous vous rendez compte de votre état? Non. Tant mieux. Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie? Oh, moi, j'ai envie. J'aime autant vous prévenir tout de suite que ce sera très long et très coûteux. Mais pourquoi ça? Parce qu'on ne guérit pas en 5 minutes un mal qu'on traîne depuis 40 ans. Oui, depuis que vous êtes tombé de votre échelle. Et combien ça me coûterait? Qu'est-ce que valez-vous actuellement? Oh ben ça dépend du marché et puis de la grosseur. Mais on ne peut rien avoir de propre à moins de 400 ou 500 francs. Et les cochons gras? Oh, il y en a qui font plus de 1000. Eh bien, ça vous coûtera à peu près 2 cochons et 2. Oh là là là! Pas de 3000 francs? Oh, mais c'est une désolation, Jésus-Marie! Si vous aimez mieux faire un pèlerinage, je vous en empêche pas. Oh, ben, le pèlerinage, ça revient aussi cher, et ça ne réussit pas souvent. Mais qu'est-ce que je peux donc avoir de si terrible que ça? Je vais vous l'expliquer en une minute au tableau noir. Mettez-vous devant le bureau. Je vous suis. Voici votre moelle épinière. En coupe, hein, très schématiquement, n'est-ce pas? Vous reconnaissez ici votre faisceau de turc. Et ici, votre colonne de clart. Vous me suivez? Eh bien, quand vous êtes tombé de l'échelle, votre turc et votre plat ont glissé en sens inverse de quelques dixièmes de millimètre. Vous n'y acceptez pas, évidemment, mais c'est très mal passé. Et puis vous avez ici un tiraillement qui continue, qui s'exerce sur les multipolaires. Remarquez, ne vous n'en mourrez pas du jour au lendemain, hein. Mais attendez. Ah bah j'ai bien du malheur de tomber de cette échelle. Je me demande même s'il ne veut pas mieux laisser les choses comme elles sont. L'argent est si dur à gagner. Oh, ben ça, hein, tandis que les années de vieillesse, on en a toujours bien assez. Il y a des hommes. Et en me faisant ça plus grossièrement, vous ne pourriez pas me guérir à moins cher? C'est bien fait, une moche. Ce que je puis vous proposer, c'est de vous mettre en observation.
ça ne vous coûtera pas sérieux. Au bout de quelques jours, vous vous rendrez compte par vous-même de la tournure que prendra le mal, et vous vous déciderez. Ouais, c'est ça. Bien. Vous allez rentrer chez vous. Vous êtes venu en voiture? Non, à pied. Il faudra tâcher de trouver une voiture. Vous couchez en arrivant. Une chambre où vous serez seul autant que possible. Faites fermer les fenêtres et les rideaux pour que la lumière ne vous gêne pas. Défendez qu'on vous parle. Aucune alimentation solide pendant une semaine. Un verre d'eau de vichy toutes les deux heures. Et à la rigueur, une moitié de biscuit trempé dans un doigt de lait matin et soir. Mais j'ai longtemps vous passer le biscuit. Vous ne direz pas que je vous ordonne de rentrer tous deux. À la fin de la semaine, nous verrons comment vous vous sentez. Si vous êtes gaillard, si vos forces et votre gaieté sont revenues, c'est que le mal est vraiment sérieux qu'on pourrait croire. Et je serai le premier à avoir souffert. Si au contraire, vous éprouvez une faiblesse générale, des lourdeurs de tête et une certaine paresse à vous lever, la méditation ne sera plus permise et nous commencerons le traitement. C'est convenu ? Comme vous voudrez. Bien, je rappelle mes prescriptions sur ce bout de papier. Et j'irai vous voir bientôt. Mariette ! Docteur ! Aidez madame à descendre l'escalier et à trouver une voiture. Au demeurant le meilleur des hommes.
Mais je le crois, moi, Lucite, que le guéridon de sa chère femme, qui servit quelque temps, comme vous savez, le truchement aux esprits. En particulier, j'ai acheté des charbonnages. Que pensez-vous? Des charbonnages, docteur? Ce sont en général d'excellentes valeurs, spéculatives peut-être, sujettes à des hausses inconsidérées, suivies de baisses inexplicables. Ah, mais vous me donnez la chair de poule! Mais j'ai l'impression de les avoir achetés en pleine hausse, et j'en ai eu pour plus de 50 000 francs! Oh, c'est une folie de mettre une somme pareille dans le charbonnage, quand on n'a pas une grosse fortune. Il me semble en effet qu'un tel placement ne devrait jamais représenter plus du dixième de la valeur totale. Pas plus du dixième? Ah, mais alors s'il ne représente pas plus du dixième, ce n'est pas une folie proprement dit. Ah, on m'en rassurerait. J'en avais besoin. Vous ne sauriez croire qu'elle tourne en bedonne la gestion de mes quatre sous. Ah, je me dis parfois qu'il me faudrait un autre souci pour chasser celui-là. Ah, docteur, la nature humaine est une pauvre chose. Et il est écrit que nous ne pouvons déloger un tourment qu'à condition d'en installer un autre à sa place. Encore, faut-il trouver quelque répit, pauvre personne. Et puis, je ne voudrais pas penser toute la journée à mes pensionnaires, à mes locataires, à mes titres. Je ne peux tout de même pas, à mon âge, courir mes aventures amoureuses, ni autrement un voyage autour du monde. Mais vous devez vous demander, docteur, pourquoi j'ai vécu à votre consultation gratuite. Quelle que soit votre raison, madame, elle est certainement excellente. Voilà. J'ai voulu donner l'exemple. Oh, vous avez eu là, docteur, une belle, énorme inspiration. Mais je connais mes gens. Et je me suis dit, ils n'ont pas l'habitude, ils n'iront pas. Et ce monsieur en sera pour sa générosité. Alors, j'ai pensé. S'il voit qu'une dame ponce, demoiselle Lampoumas, n'hésite pas à inaugurer des consultations gratuites, ils n'auront plus honte de s'y montrer. Car mes moindres gestes sont observés et commentés. Cela est bien naturel. Votre démarche est très louable, madame, et je vous en remercie. Docteur, je suis enchantée d'avoir fait votre connaissance. Je reste à la maison tous les après-midi. Oh, il y a quelques personnes et nous faisons salon autour d'une vieille théière Louis XV que j'ai héritée de mon aïeul. Il y aura toujours une tasse de beauté pour vous. Exceptionnelle gravité. Vraiment?
L'insomnie peut être due à un trouble essentiel de la circulation intracérébrale, particulièrement une altération des vaisseaux, dite antyeutpique. Et peut-être, madame, les artères du cerveau antyeutpiques. Ciel ! Antyeutpique ! Mais l'usage du tabac serait-il pour quelque chose ? Je prise un peu. C'est un point qu'il faudrait examiner. L'insomnie peut encore provenir d'une attaque profonde et continue de la substance grise par la névroglie. Mais ça doit être affreux. Expliquez-moi cela, docteur. Représentez-vous un crabe, ou un poulpe, ou une gigantesque araignée en train de vous grignoter, de vous suçoter, de vous déchiqueter doucement la cervelle. Oh. Mais c'est avec moi, c'est pas d'oublier d'horreur. C'est sûrement ce que j'ai. Je le sens bien. C'est bien ça. Oh non. Oh non, je vous en prie, docteur. Tuez-moi. Tuez-moi tout de suite. Une piqûre. Au plus tôt, ne m'abandonnez pas. Je me sens glisser au dernier degré de l'épouvante. Et cela doit être absolument incurable. Immortel. Non. Il y a l'espoir de guérison. Oui. À la longue. Ah, ne me trompez pas, docteur. Je veux savoir la vérité. Tout dépend de la durée et de la régularité du traitement. Mais enfin, de quoi peut-on guérir? De cette chose en tuyauté ou de l'araignée? Car je sens bien que dans mon cas, c'est plutôt l'araignée. On peut guérir de l'un et de l'autre. Je n'oserais peut-être pas donner cet espoir à un malade ordinaire. On aurait mis le temps, les moyens, se soigner suivant les méthodes les plus modernes. Avec vous, c'est différent. Mais docteur, moi je serais une malade très docile, soumise comme un petit chien. Je passerai partout où il faudra, surtout si ce n'est pas trop douloureux. Nullement douloureux, puisque c'est à la radioactivité que l'on fait appel. La seule difficulté, c'est d'avoir la patience de poursuivre bien sagement la cure pendant 2 ou 3 années. Et aussi d'avoir un médecin qui s'astreigne à une surveillance incessante du processus de guérison, un calcul minutieux des doses radioactives et à des visites. Presque quotidiennement. Moi, docteur, je ne manque pas de patience. Mais c'est vous qui n'allez pas vouloir vous occuper de moi autant que vous le pourriez. Oh, vouloir, je ne demanderai pas mieux. Il s'agit de pouvoir. Vous habitez loin? Mais non. À 2 pas. La maison qui est en face du point public. J'essaierai de faire un bond tous les matins, puisque j'ai vous. Sauf le dimanche et le lundi, à cause de ma consultation. Et ce ne sera pas trop d'intervalle, 2 jours d'affilée. Je resterai, pour ainsi dire, sans soin, du samedi au mardi. Je vous laisserai des instructions détaillées. Et quand je trouverai une minute, je passerai le dimanche matin ou le lundi après-midi. Tant mieux. Tant mieux. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rentrez chez vous, gardez la chambre, j'irai vous voir demain matin et je vous examinerai plus à fond. Mais je n'ai pas de médicaments à prendre aujourd'hui. Si, passez chez M. Mousquet. Et priez-le d'exécuter aussitôt cette première petite ordonnance. Merci.
sait que la consultation gratuite, c'est 11h30. Je vous ai dit, ne participe pas à la resto. Je vais rester. Allongez le bras, fermez le poing, détendez-vous.
Vous avez encore votre père? Non. Il est mort. Il est mort subite? Oui. C'est ça. Ne pas être beau vieux, hein? Non, 49 ans. 49 ans. Si vieux que ça. Rapide, monsieur. Je vais vous montrer dans quel état sont vos principaux organes. Voici les reins d'un homme ordinaire. Voici les reins. Il est encore là. Oh,
C'est dans votre foire aujourd'hui? Non, je vois ordinaire. Et toutes vos chambres sont occupées un jour ordinaire? Et oui. Qu'est-ce que tout ce monde-là? Des malades. Des malades? Oui, des gens qui suivent un traitement. Mais tout ça, pourquoi loge-t-il ici? Parce qu'il n'y a pas d'autre hôtel à Saint-Maurice. Et d'ailleurs, ils ne sont pas si à peine que cela chez nous. En attendant votre nouvelle installation, ils reçoivent tous les soins sur place. Et toutes les règles d'hygiène modernes sont observées. Mais d'où sortent-ils? Les malades? Oh, depuis quelque temps, ils en viennent un peu partout. Au début, c'était des gens de passage. Je comprends pas. Mais oui, des voyageurs qui se trouvaient à Saint-Maurice pour leurs affaires. Ils entendaient parler du docteur Nock dans le pays, et à tout hasard, ils allaient le consulter. Évidemment, sans bien se rendre compte de leur état, ils avaient quand même le pressentiment de quelque chose. Mais si leur bonne chance ne les avait pas conduits à Saint-Maurice, plus d'un serait mort à l'heure qu'il est. Pourquoi serait-il mort? Comme ils ne se doutaient de rien, ils auraient continué à boire, à manger, à faire sans autre imprudence. Et tous ces gens-là sont restés ici? Oui. En revenant de chez le docteur, ils se dépêchaient de se mettre au lit et commençaient à suivre le traitement. Ah, aujourd'hui, c'était déjà plus pareil. Les personnes que nous recevons ont entrepris le voyage exprès. L'ennui, c'est que nous manquons de place. Mais nous allons faire construire. C'est extraordinaire. En effet, cela vous semble extraordinaire à vous, monsieur Parpalais. Oh, s'il fallait que vous meniez la vie du docteur Knock, je crois que vous crieriez grâce. Quelle vie mène-t-il donc? Une vie de forçat. Dès qu'il est levé, c'est pour courir à ses visites. Il passe à l'hôtel à 10h, d'ailleurs, vous le verrez dans 5 minutes, puis les consultations chez lui, et à nouveau les visites jusqu'au bout du canton. Ah, je sais bien qu'il a son automobile, une belle voiture neuve qui conduit à fond de train. Mais vous savez, je suis sûre qu'il lui arrive plus d'une fois de déjeuner d'un sandwich. Exactement mon gars, à Lyon. Ah, bon, ici pourtant vous aviez su vous faire une petite vie tranquille. Ah, vous vous rappelez vos parties de billard dans l'estaminet? Ah, il faut croire que de mon temps, les gens se portaient mieux. Non, ne dites pas cela, monsieur Parpalais. Les gens n'avaient pas l'idée de se soigner. C'est tout différent. Mais les choses ont changé. Dieu merci. Enfin, si ces gens en ont assez d'être malades, et s'ils veulent s'offrir le luxe de se soigner, ils auraient tant de gêner. De toute façon, c'est tout bénéfice pour le médecin, non? En tout cas, personne ne vous laissera dire que le docteur Nock est intéressé. C'est lui qui a créé des consultations gratuites que nous n'avons jamais connues ici. Et pour les visites, il fait payer uniquement les personnes qui en ont les moyens. Avouez qu'autrement, ce serait malheureux. Mais il n'accepte rien des indigents. On le voit traverser tout le canton, dépenser différents d'essence et s'arrêter avec sa belle voiture devant l'accueil d'une pauvre vieille qui n'a même pas un fromage de chèvre à lui donner. Oh, il ne faut pas insinuer non plus qu'il découvre des maladies à des gens qui n'en ont pas. Moi, la première, je me suis fait peut-être examiner 10 fois depuis qu'il vient à l'hôtel quotidiennement. À chaque fois, il s'y est prêté avec la même patience, m'auscultant des pieds à la tête avec tous ses instruments et y perdant un bon quart d'heure. Il m'a toujours dit que je n'avais rien, que je ne devais pas me tourmenter, que je n'avais qu'à bien manger et bien boire. Et pas question de me faire accepter un centime. Oh, la même chose pour M. Bernard, l'instituteur, qui s'était mis dans la tête qu'il était porteur de germes et qu'il n'en vivait plus. Eh bien, pour le rassurer, le docteur Knock a été jusqu'à lui analyser 3 fois ses excréments. Ah, mais tiens, d'ailleurs, voici M. Mousquet qui vient faire une prise de sang en 15 avec le docteur. Vous pourrez causer ensemble. Mmh. Allez, donnez-moi tout de même votre valise. Hein. Je vais essayer de vous trouver un coin. Merci.
Le docteur n'est pas encore là? Ah! Le docteur Parpalais! Heureusement, ma foi! Il y a si longtemps que vous nous avez quittés. Si longtemps? À peine 3 mois! C'est vrai, 3 mois. Cela me semble prodigieux. Et vous êtes content à Lyon? Très content! Tant mieux, tant mieux. Vous aviez peut-être là-bas une clientèle toute faite. Je l'ai accru d'un tiers. La santé de Madame Bousquet est bonne. Bien meilleure. Aurait-elle été souffrante? Vous vous rappelez les migraines dont on se plaignait très souvent? Vous n'y aviez d'ailleurs attaché pas tellement d'importance. Le docteur Knock a diagnostiqué aussitôt une insuffisance des sécrétions ovariennes et prescrit un traitement opothérapique qui a fait merveille. Ah! Et elle ne souffre plus de ses anciennes migraines? Plus du tout. Les douleurs de tête qui lui arrivent encore d'éprouver proviennent uniquement du surmenage et n'ont rien que de naturel. Car nous sommes terriblement surmenés. Je vais prendre l'assistant. Ah, ce n'est plus la petite existence calme d'autrefois. Si je vous disais que même en me couchant à 11h30 du soir, je n'ai pas toujours terminé l'exécution des ordonnances. Bref, le Pérou. Il est certain que j'ai calculé mon chiffre d'affaires, et je suis loin de déplorer. Mais il y a d'autres satisfactions que celle-là. Moi, mon cher docteur Parpalais, j'aime mon métier, et j'aime à me rendre. Je trouve plus de plaisir à tirer le collier qu'à ronger mon frein. Simple question tempérale. Mais voici le docteur. Messieurs, bonjour, docteur Parpalais. Je pensais à vous. Vous avez fait bon voyage? Excellent. Bien, vous êtes venu avec votre auto? Non, par le train. Ah bon? Il s'agit de l'échéance, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je profiterai de l'occasion. Messieurs, je vous laisse. Je monte au 15. Vous ne m'accuserez plus de vous avoir roulé. L'intention y était bien, mon cher confrère. Bah, vous ne direz pas que je vous ai cédé le poste et que le poste valait quelque chose. Oh, vous auriez pu rester, hein. Nous serions à peine gênés l'un l'autre. Monsieur Bousquet vous a parlé de nos premiers résultats. On m'en a parlé. À titre tout à fait confidentiel, je puis vous communiquer quelques-uns de mes graphiques. Vous les rapprocherez sans peine de notre conversation d'il y a 3 mois. Mes consultations d'abord. Cette courbe exprime les chiffres hebdomadaires. Nous partons de votre chiffre à vous, que j'ignorais, mais que j'ai fixé approximativement à 5. 5 consultations par semaine, dites le double. Hardiment, mon cher confrère. Soit, voici mes chiffres en moi. Bien entendu, je ne compte pas les consultations gratuites du lundi. Mi-octobre, 37. Fin octobre, 90. Fin novembre, 128. Fin décembre, je n'ai pas encore fait le relevé, mais nous dépasserons 105. D'ailleurs, faute de temps, je dois désormais sacrifier la courbe des consultations à celle des traitements. Enfin, même la consultation ne m'intéresse qu'à demi. C'est un art un peu rudimentaire, une sorte de pêche au filet. Mais le traitement, c'est de la pisciculture. Pardonnez-moi, mon cher confrère, mais vos chiffres sont rigoureusement exacts. Rigoureusement. Et alors, en une semaine, il a pu se trouver dans le canton de Saint-Maurice 150 personnes qui se sont dérangées de chez elles pour faire la queue en payant à la porte du médecin. On ne les a pas amenés de force ou par une contrainte quelconque. Il n'y a fallu ni les gendarmes ni la troupe. C'est inévitable. Passons à la courbe des traitements. Début octobre, c'est la situation que vous laissiez. Hein. Malade en traitement régulier à domicile. Zéro, n'est-ce pas? Bon, alors, fin octobre, 32. Fin novembre, 121.
et 205. J'ai l'impression que vous abusez de ma crédulité. Moi, je ne trouve pas ça énorme. N'oubliez pas que le canton renferme 2853 foyers et là-dessus, 1500 de revenus réels qui dépassent 12 000 francs. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de revenus? Vous ne pouvez tout de même pas imposer la charge d'un malade en permanence à une famille dont le revenu n'atteint pas 12 000 francs. Ce serait abusif. Et pour les autres non plus, on ne saurait pas avoir un régime uniforme. J'ai 4 régimes. Le plus modeste, pour les revenus de 12 à 20 000, ne compte qu'une visite par semaine et 50 francs environ de frais pharmaceutiques par mois. Au sommet, le traitement de luxe, revenu supérieur à 50 000 francs, entraîne 4 visites par semaine et un minimum de 300 francs par mois de frais divers, rayon X, radium, massage électrique, analyse médicale, médication 3, etc., etc. Comment connaissez-vous le revenu de vos clients? Pas par les agents du fisc, croyez-le, et tant mieux pour moi. Alors que je dénombre 1500 de revenus supérieurs à 10 francs, le contrôleur de l'impôt en compte 17. Le plus gros revenu de sa liste est de 20 000. Le plus gros de la mienne, de 120 000. Nous ne concordons jamais. Il faut réfléchir aussi que lui travaille pour l'État. Oui, mais... vos renseignements à vous, vos informations à vous, d'où sortent-elles? De bien des sources. Et c'est un très gros travail. Presque tout mon mois d'octobre y a passé. Et je révise constamment. Regardez ceci. C'est joli, n'est-ce pas? On dirait une carte du canton, mais qu'est-ce que c'est que tous ces points rouges-là? C'est la carte de la pénétration médicale. Chaque point indique l'emplacement d'un malade régulier. Il y a un mois, vous auriez vu ici une énorme tache grise, la tache de Chabriel. Oui, c'est le nom du hameau qui en formait le centre. Aujourd'hui, la tache n'a pas entièrement disparu, mais je l'ai morcelé, n'est-ce pas? On le remarque à peine. Même si je voulais vous cacher mon ahurissement, mon cher collègue, je n'y parviendrai pas. Je ne puis mettre en doute vos résultats, et ils me sont confirmés de plusieurs côtés. Vous êtes un homme étonnant. Mais permettez-moi de me poser une question à voix haute. Je vous en prie. Si j'avais votre méthode, si j'avais bien en main, s'il ne me restait plus qu'à l'appliquer, est-ce que je n'éprouverais pas comme un scrupule? Répondez-moi. Mais c'est à vous de répondre, il me semble. Ah, mais remarquez, je ne tranche rien. Je soulève simplement une question extrêmement délicate. J'aimerais vous comprendre mieux. Bon. Est-ce que, avec votre méthode, l'intérêt du patient n'est pas un peu subordonné à l'intérêt du médecin? Docteur Parpalais, vous oubliez qu'il y a un intérêt supérieur à ces deux-là. Lequel? Celui de la médecine. C'est le seul dont je me préoccupe. Oui. Vous me livrez un canton peuplé de quelques milliers d'individus neutres, indéterminés. Mon rôle, c'est de les déterminer, de les amener à l'existence médicale. Je les mets au lit et je regarde ce qu'on pourra en sortir. Un tuberculeux, un névropathe, un artérieux scléreux, ce qu'on voudra. Mais quelqu'un, mon Dieu, quelqu'un. Rien ne m'agace comme cet être ni chair ni poisson que vous appelez un homme bien portant. Mais vous ne pouvez tout de même pas mettre tout dans le canton au lit. Cela se discuterait, car j'ai connu, moi, 5 personnes de la même famille, malades toutes à la fois, au lit toutes à la fois, et qui se débrouillaient fort bien. Alors la vérité, c'est que nous manquons tous d'audace, et que personne, pas même moi, n'osera aller jusqu'au bout et mettre toute une population au lit. Pourquoi? Pourquoi? Mais soit je vous accorderai qu'il faut des gens bien portants, ne serait-ce que pour soigner les autres, ou pour former à l'arrière des malades en activité, une espèce de réserve. Ce que je n'aime pas, c'est que la santé prenne des airs de provocation, car là, vous avez excessif. Nous fermons les yeux sur un certain nombre de cas. Nous laissons à un certain nombre de gens leur masque de prospérité.
Mais s'ils viennent ici se pavaner devant nous et nous faire la nique, je me fâche. C'est arrivé ici pour monsieur Raffalin. Ah oui, le colosse. Celui qui se vante de lire sa belle-mère à bras tendus. Oui, il m'a défié près de 3 mois. Mais ça y est, il est au lit. Ces vantardises commencent à faiblir l'esprit médical de la population. Mais il subsiste pourtant une certaine difficulté. Laquelle, docteur Pacalet? Si on généralise l'application de votre méthode, est-ce que cela n'amène pas un certain ralentissement des autres activités sociales? Cela ne me regarde pas. Moi, je fais de la médecine. Regardez un peu par ici, docteur Parpalais. Vous connaissez la vue qu'on a de cette fenêtre. Jadis, entre deux parties de billard, vous n'avez plus manqué d'y prendre garde. C'est un paysage rude, à peine humain, que vous contempliez. Aujourd'hui, je vous le donne, tout imprégné de médecine, animé et parcouru par le feu souterrain de notre art. La première fois que je me suis planté ici, au lendemain de mon arrivée, je n'étais pas trop fier. Je sentais que ma présence ne pesait pas lourd. Le vaste terroir se passait insolemment de moi et de mes pailles. Mais maintenant, j'ai autant d'aise à me trouver ici qu'à son clavier, l'organiste des grandes ordres. Dans 250 de ces maisons, il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens, et grâce à moi, un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau, car il y a les lumières, et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres, ils sont supprimés. Mais les malades ont gardé leur brilleuse ou leur lampe. Tout ce qui reste en marge de la médecine, la nuit m'en débarrasse, m'en dérobe l'agacement et le défi. Le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel. Et je ne vous parle pas des cloches. Songez que pour tout ce monde, leur principal office est de rappeler mes prescriptions. Quelles sont la voix de mes ordonnances? Songez que dans quelques instants, il va sonner 10 heures. Et que pour tous mes malades, 10 heures, c'est la deuxième prise de température rectale. Et que, dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois. M'en faire comprendre, j'ai quelque chose à vous proposer. Un homme comme vous n'est pas sa sonnette dans un chef-lieu de... à sa place, dans un chef-lieu de canton. Il lui faut la grande prise. Je l'aurai tout tard. Vous avez une situation maniquée? Et puis la mienne! Je vous la donne! Je ne peux pas mieux vous prouver! Pour l'admiration! Oui, et vous? Qu'est-ce que vous deviendriez? Je me contenterai à nouveau de Saint-Maurice! Oui, mais... Et je vais plus loin! Les quelques milliers de francs que vous me devez encore, je vous en fais cadeau! Oui! Dans le fond, vous n'êtes pas si bête, on peut bien dire. Ah non, vous savez acheter et vendre, ce sont les qualités du commerçant. Mais je vous dis sûr. Vous êtes même en l'espèce assez bon psychologue. Vous avez dit que je tiens plus à l'argent dès l'instant que j'en gagne beaucoup, et que la pénétration médicale d'un ou deux quartiers de Lyon m'aurait vite fait oublier mes graphiques de Saint-Maurice. Je n'ai pas l'intention de venir ici. Mais de là, me jeter sur la première occasion venue, j'ai approché, cher ami. Savez-vous ce que me propose le docteur Parpalais? Un échange de poste. J'irai le remplacer à Lyon, il reviendrait ici. C'est une plaisanterie. Oui, une offre très sérieuse. Et
bras en tombe. Mais, naturellement, vous refusez. Et pourquoi le docteur Klopp refuserait-il? Je vous précise, je vous affirme que j'ai à Lyon une clientèle de tout premier ordre. J'ai succédé au docteur Berlin. Mais il y avait une grosse réputation. Mais il y a 3 mois de ça. Et en 3 mois, on fait du chemin. Encore plus à la descente qu'à la montée. D'abord, mon cher docteur, la population de Saint-Maurice n'acceptera jamais. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de lui demander son avis? Elle vous le donnera. Je ne dis pas qu'elle fera des barricades. Ce n'est pas la mode de Saint-Maurice. Et nous manquons pas de vie. Mais elle pourrait bien vous remettre sur la route de Lyon. D'ailleurs, vous allez en juger. Madame Rémy, apprenez une bonne nouvelle. Le docteur Knock nous quitte et le docteur Parpalais revient. Ah mais non! Ah mais non! Moi, je me dis que ça ne se fera pas. Ou alors, il faudra qu'il vous enlève de nuit en aéroplane. Parce que j'avertirai les gens et on ne vous laissera pas partir. On crèvera plutôt les pneus de votre voiture. Et quant à vous, monsieur Parpalais, si c'est pour cela que vous êtes venu, j'ai le regret de vous dire que je ne dispose plus d'une seule chambre. Et quoi que nous soyons le 5 janvier, vous serez dans l'obligation de coucher dehors. L'attitude de ces gens à l'égard d'un homme qui leur a consacré 25 ans de sa vie est un scandale. Puisqu'il n'en reste plus de place à Saint-Maurice que pour le charlatanisme. Je préfère gagner mon pain honnêtement, à Lyon, honnêtement et d'ailleurs largement. Si j'ai les songer un instant à reprendre mon ancien poste, c'est à cause de la santé de ma femme qui ne s'habitue pas à l'air de la grande ville. Docteur Knock, nous réglerons nos affaires dès que possible. Je repars ce soir. Ne nous fais pas cet affront, mon cher confrère. Madame Rémy, dans la surprise, une nouvelle, d'ailleurs inexacte, et dans la crainte où l'été laissait tomber ses assiettes, a pu garder le contrôle de son langage. Ses paroles ont dépassé sa pensée. Vous voyez, maintenant que sa vaisselle est en sécurité, Madame Rémy a retrouvé sa bienveillance naturelle. Et ses yeux n'expriment plus que la gratitude que partage toute la population de Saint-Maurice pour vos 25 années d'apostolat silencieux. Sûrement, M. Parpalais a toujours été un très brave homme et il tenait sa place aussi bien qu'un autre tant que nous pouvions nous passer de médecin. Ce n'était ennuyeux que lorsqu'il y avait une épidémie. Car vous ne me direz pas qu'un vrai médecin aurait laissé mourir tout ce monde au temps de la grippe espagnole. Un vrai médecin? Mais quelle chose faut-il s'entendre dire? Parce que vous croyez, Madame Rémy, qu'un vrai médecin est capable de combattre une épidémie mondiale? Attendez la prochaine et vous verrez si le docteur Knock s'en tire mieux que moi. Le docteur Knock? Oh, écoutez, Monsieur Parpalais, je ne discuterai pas d'automobile avec vous parce que je n'y entends rien. Mais je commence à savoir ce qu'est un malade. Eh bien, je puis vous dire que dans une population où tous les gens chétifs sont déjà au lit, on l'attend de pied ferme notre épidémie mondiale. Ce qu'il y a de terrible, comme l'expliquait l'autre jour M. Bernard à la conférence, c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Ne nous égarons pas dans des querelles d'école. Madame Rémy et le docteur Parpalais peuvent différer de conception et garder néanmoins les rapports les plus courtois. Vous avez bien une chambre pour le malade. Mais non, je n'en ai pas. Vous savez bien que nous arrivons à peine à loger les malades. Si un malade se présentait, je réussirais peut-être à le caser en faisant l'impossible, parce que c'est mon devoir. Mais si je vous disais que le docteur n'est pas en état de repartir cet après-midi, médicalement parlant, un repos d'une journée au moins lui est nécessaire. Ah, ce serait autre chose. Mais M. Parpalais n'est pas venu consulter. Serait-il venu consulter
que la discrétion professionnelle m'empêcherait peut-être de le déclarer publiquement. Mais qu'allez vous chercher là? Je repars ce soir et puis c'est tout. Mon cher confrère, je vous parle très sérieusement. Un repos de 24 heures vous est indispensable. Je déconseille le départ aujourd'hui. Au besoin, je m'y occupe. Bien, bien, docteur. Docteur Papalet aura un lit, vous pouvez être tranquille. Est-ce qu'il prend sa température? Nous recoserons de cela tout à l'heure. Bien, docteur. Messieurs, je vous laisse, j'ai cassé une aiguille, je vais en prendre une autre à la pharmacie. Et dites donc, c'est une plaisanterie, non? De toute façon, je vous remercie. J'avoue que ça ne m'amusait pas du tout de recommencer. Dès ce soir, 8 heures de voyage, hein, je n'ai plus 20 ans. Hein. Je m'en aperçois. Mais c'est admirable que vous gardez votre sérieux. Vous aviez ce nerf tout à l'heure pour me dire ça. J'avais savoir que c'était une plaisanterie. Et connaître les ficelles du métier. Oui, un nerf. Et un nerf. C'est comme si vous m'aviez scruté jusqu'au fond des organes. Ah, c'est très fort. Voulez-vous, cela se fait un peu malgré moi. Dès que je suis en présence de quelqu'un, je ne peux pas empêcher qu'un diagnostic s'ébauche en moi, même si c'est parfaitement inutile et hors de propos. À ce point que depuis quelque temps, j'évite de me regarder dans la glace. Un diagnostic? Et que voulez-vous dire? Un diagnostic de fantaisie? Ou bien? Comment fantaisie? Je vous dis que malgré moi, dès que je croise un visage, mon regard se jette, sans même que j'y pense, sur un tas de petits signes imperceptibles. La peau, la sclérotique, les pupilles, les capillaires, l'allure du souffle, le poil, que sais-je encore. Et mon appareil à construire des diagnostics fonctionne tout seul. Il faudra que je me surveille, car cela se dit être idiot. C'est que, permettez, si j'incite d'une manière un peu ridicule, c'est que... J'ai mes raisons. Tout à l'heure, comme on m'avait dit qu'une journée de repos m'était indispensable. Était-ce par simple jeu ou bien... Encore une fois, si j'insiste, c'est que cela correspond à certaines préoccupations que je puisse avoir. Je ne suis pas sans avoir observé sur moi-même telle ou telle chose depuis quelque temps. Hein. Et ne serait-ce que d'un point de vue... théorique. Je serais curieux de savoir si mes propres observations coïncident avec l'espèce de diagnostic volontaire dont vous me parlez. Nous déjeunons ensemble, si vous voulez bien me donner cette marque d'amitié. Pour ce qui est de votre état de santé et des décisions qui peut-être, c'est dans mon cabinet, cet après-midi, que nous en parlerons plus à loisir. Thank you.